Pendant visite de jour l'été fait dans ville Cap Haïtien, ambassadeur français dans pays d'Haïti, Fabrice Moriès, te font passer dans lycée national Jean-Baptiste Dutiboukman, côté pays la France a financé yon médiathèque pour élèves lycée ça qui te profité remettre yon bouquet fleur à ambassadeur français. Lycée national Dutiboukman tient à vous présenter ses remerciements les plus distingués pour avoir contribué grandiosement à améliorer la qualité de l'enseignement au sein de notre établissement par votre participation à l'innovation de notre bibliothèque. Nous vous remercions pour votre dévouement à faire luire plus amplement le savoir de notre école, car, comme l'a si bien énoncé Victor Hugo dans son discours d'ouverture du congrès littéraire en 1878, la lumière est dans le livre. Ouvrez-le, livre tout grand. Laissez-le rayonner, laissez-le faire. Ainsi, vous êtes de ceux qui participent à redonner de la lumière à des esprits obscurs, à raviver chez les jeunes la flamme du savoir, à les aider, à les former pour transformer leur société. Moi, notre établissement, les jeunes, la société toute entière, vous êtes infiniment reconnaissants. Ambassadeur qui a fait un bilan de passage dans la ville Cap-Haïtien déclaré, c'est l'agent pays la France qui rénovait médiathèque Silla. J'ai déjeuné avec des compatriotes à Cormier, c'est ça, Cormier. J'ai également visité des établissements universitaires et scolaires. Je suis ici au lycée Bookman avec le proviseur qui m'a très gentiment accueilli dans cette salle de médiathèque rénovée. Grâce à l'aide française, à l'aide de la mairie de Suresnes. Directeur lycée Boukmanan, Maître Frenzy lui expliquait son projet qu'il a depuis 3 ans. Et ça, c'est le fruit, normalement, d'une coopération vieille de au moins 3 ans. Et on nous a fait obligation d'exécuter d'abord au moins 30% de ce projet. Et c'était bien avant, bien entendu. Mais on s'était entendu sur cette exécution-là et on a finalement accepté de commencer et en janvier 2021. On a fait venir ici au lycée un conteneur de 40 pieds déchargé de matériel. Ça, c'est pour la première phase du projet. Mais on n'a finalement pas stoppé à cause de cette épidémie. Donc, et qui ravageait à cette époque la France et les États-Unis. On a dû stopper pendant au moins 2 à 3 mois. Mais à partir du mois d'avril, donc, on m'a donné rendez-vous encore une fois à l'Alliance pour démarrer avec ce projet. Quelques élèves lycée Bookman dit la voix de l'Amérique, médiathèque ça a aidé en pile dans le travail de recherche. Médiathèque là, lui-même, il a un privilège pour qu'on soit capable de faire recherche. Sur un pile bagaille côté que nous avons des difficultés pour nous capables de faire recherche sur. Alors, médiathèque là lui-même vient sortir, un outil important pour lycéens parce que des fois nous avons besoin de faire des lectures et acquérir des nouvelles connaissances. Mais grâce à médiathèque là, il vient une possibilité à faire que nous capables de faire ça. Grâce à la bibliothèque ça, nous avons une opportunité pour nous lire, pour nous faire des recherches, pour nous faire d'autres choses, parler. Ils permettent nous des recherches, nous venir, nous jouons des livres, nous faire lecture. Et parfois, tout le monde nous réunit pour faire des réunions, tout ça. Moi-même, en tant qu'élève, je bénéficie d'un privilège pour enrichir connaissance dans les médias. Ça permet de faire des recherches qui au-delà. Il y a plus de 3000 élèves qui fréquentaient le lycée national Jean-Baptiste Dutiboukman qui fonctionnait en 2 temps dans la ville Cap-Haïtien. Jérôme Maxito Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique.